Christ dans un homme. Produira les œuvres de Christ. Le Saint-Esprit dans un homme. Produira un chrétien. Jamais pas. Quand je veux parler au lit, il prend ma bouche. Autre, car chaque semence. Dieu s'en nourrit, il invite son peuple, lui vient dîner. Il nourrit avec son âme pour voir tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tous les temps. Oh, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, un appel à la famille. Le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. Parlons pendant un court moment. Vous savez que quoi qu'il faut dire. Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment le plus important de notre culte de ce matin, viens Seigneur Jésus nous parler, viens disposer nos âmes à recevoir ta parole, que ton onction soit sur nous qui parlons et sur tout l'auditoire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Pourtant, tu crois ma Bible et tout. Et nous lirons quatre passages. Tout à ce moment, nous lirons d'abord presque les mêmes écritures que nous avions lues le vendredi, parce que nous continuons à parler de notre thème. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Tout à beba il est mandi comme Adjamoja et nous le sommes au Mokazitano. Tout n'endelea na Adjilietu ya kusema ya komba mungu wa Elia eko wapi. Mais nous lirons dans 1 roi chapitre 18 Falme wa kwanza sura ya 18 du 17e au 39e verset. Kwanzia mustari wa 17 hadi 39. Ensuite nous lirons dans 2 rois dans ce matin en Falme chapitre 2 sura ya 2. Mais cette fois-ci on va commencer à partir du verset 7 jusqu'au 15e verset.
Mais nous lirons dans Jean chapitre 14. Du 12e au 14e verset. Enfin, dans Hébreux 13, 8. Alors, les longues lectures là, je vais lire seul au lieu d'interpréter pour gagner le temps. Un roi, chapitre 18. Nous lisons. À partir du verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu y es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous !» Mais ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu !» Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi !» Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit,
Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel, c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen, amen, amen. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Deux Rois, chapitre 2. Vous connaissez déjà l'histoire parce qu'on on lit ça pendant tous ces jours. J'ai voulu seulement gagner un peu de temps. Alors c'est pourquoi je vais commencer. Au lieu de commencer à partir du premier verset, je commence à partir du septième. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Amen. Jean 14, 12 à 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 12. Nous lisons. En vérité, je vous le dis.
Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Jésus-Christ, yule moja moja jana leo hata milele. Et éternellement. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Bwana Yesu abariki neno lake. Notre thème. Ajili yetu. Où est l'Éternel? Wapi wamile? Le Dieu d'Élie. Mungu wa Elia. Où est-il? Eko wapi? C'est ça le thème. Il est Dieu témoin. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Wapi wamile le Mungu wa Elia? Le sujet. Na ajili. C'est ni Jésus-Christ, Jésus-Christ est le même hier, yule moja moja jana, aujourd'hui leo, et éternellement. Hata milele. Faites-le sortir de l'histoire. Omutoshe moi d'ici. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, moja moja jana, leo, hata milele. Est-ce que vous croyez cela? Mon ami, il est. S'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, yule moja moja jana, leo, hata milele. Alors, faites-le sortir de l'histoire. Faisons-le sortir de l'histoire. Le Dieu qui avait fait l'histoire, c'est le même Dieu aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu de tous les prophètes, le Dieu des apôtres, le Dieu de Branham, est le même ce matin. Si vous le croyez, dites grandement Amen. Dieu ne change pas. On le disait. Dieu ne change pas. Gisi tunasema Mungu habadilikake. Dieu est immuable. Mungu hashindwake. Dieu ne change pas. Mungu habadilikake. Le temps change. Mawakati kuna badilika. Les saisons changent. Hata majira inabadilika. Les hommes changent. Bantu na bobe kuna badilika. Un pécheur peut changer, devenir un croyant. Mutenda zambi anaweza kubadilika na kuwa mwaminifu. Un athée, un incrédule peut changer aujourd'hui et devenir un fils de Dieu. Mutu mkuto kwa mini anaweza kubadilika na kuwa mwana wa Mungu. Mais Dieu, lakini Mungu ye, il est éternel. Ye ni wa milele. Il ne change pas. Hashbadilika. Il a besoin de changer. Ah, natana, lazima il n'a pas besoin de s'améliorer. Ah, natana, lazima il est parfait. Ye ye ko kamilifu. Il est éternel. Ye ye ni wa milele. Il est le même. Ye ye ni yule yule. Ce qu'il avait fait autrefois, il le fait aujourd'hui, il le fera toujours. Il ne change pas. Amen, 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 amen. Amen. Mais s'il ne change pas, c'est qu'il est le je suis. Alors pourquoi voulons-nous le garder dans l'histoire? Nous aimons beaucoup l'histoire. C'est très bien. Même quand on étudie l'histoire. Qui peut me définir l'histoire? Comment on définit l'histoire? Les écoliers, les élèves. Oui, le passé, c'est fini. Il y a quelque chose là de bien. Amen. Très bien. Amen. Ça. Acclamez un peu ça, ça j'aime ça. On vient il a la ville. C'est une science. Ni kusema ni kujua. Qui étudie le passé? Ni elimu kujifunza mambo ya zamani. Pour connaître le présent. Tu ya kuyua bia sasa. Et préparer l'avenir. Na kisha kutayarisha benye mama siku ijayo. Donc si nous lisons l'histoire, ni kusema kama tunasoma mambo ya zamani. Nous devons connaître cela pour préparer le présent. Pour connaître le présent. Pour voir ce qui se passe. Et avec ça, préparer l'avenir. Dieu, Mungu, il est le Dieu d'Abraham. Voyez les hommes de Dieu, ceux qui ont marché avec Dieu, les hommes de foi. Angalieni, batu ba imani, bali bali tembeka na Mungu. Dieu se présente à eux. Mungu alikuwa anajionekanisha kwao. Prenons d'abord l'exemple de Moïse. Tubebe mbele mfano ya Musa tu. Il était là. Alikuwa pale. En train de paître le troupeau de son alikuwa beau-père. Alikuwa analisha makondo ya mko yake. Il voit. Anaona. Une vision.
Anona ono. Un buisson ardent. Anona jika moto. Mais qui ne se consume pas. Kiko na waka lakini bila kuungua. Il s'approche. Njoo anakaribia. Une voix sort. Sauti inatokea mwile moto. Arrête. Inamwambia simashimama. Et Dieu se présente. Mungu anaanza kujitambulisha. Il lui dit quoi? Anaanza alimwambia nini? Je suis ton, le Dieu de ton père. Alimwambia sema niko Mungu wa baba yako. Le Dieu de qui? Mungu wa nani? D'Abraham. Mungu wa Abraham. D'Isaac. Wa Isaac. D'Israël. Wa Israël. Il présente. Alikuwa anamuonesha. Amen. Amen. Et je suis ton Dieu. Na akamwambia sema niko Mungu wako. Celui qui était avec Abraham. Ula alikuwaka na Abraham. Qui était avec Isaac. Ula alikuwaka na Isaac. Avec Israël. Na Israël. C'est le même. Ni ule moja moja. Et Moïse l'a vu. Musa alimuona. Et Dieu a démontré. Na Mungu akajionekanisha. Il est le même. Ya kwamba ni yule moja moja. Amen. Amen. Et Moïse l'a expérimenté. Musa alimuonja. Je t'envoie. Na kutuma. Mais comment je ferai? Tafa namuna kaya. Je serai avec toi. Mimi nitakuwa pamoja na wewe. Dieu. Ni kusema Abraham, Isaac, Israël. Mungu wa Ibrahimu, Isaac na Isaac nitakuwa pamoja na wewe. C'est quoi quand Moïse allait? Njoko mwana wakati Musa alikuwa anaenda. Le Dieu historique. Mungu alikuwa kwa hadithi zamani. Je presse. Akakuya sasa Mungu wa pale pale. Il est en Égypte. Ule alikuwa ndiko Misri. C'est le même Dieu d'Abraham. Ni ule Mungu mmoja mmoja wa Ibrahim. Qui s'était revêtu. Mwenye aliva. De la chair. Aliva mwili. Ce n'était plus Moïse qui partait. Aïe, kukwete na Musa alikuwa naenda. C'est Dieu. Ilikuwa ni Mungu. Sous forme de Moïse. Lakini muumba ya Musa. Ndio alikuwa naenda ku Misri. Amen, amen, amen. 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 Il montre qu'il est le Dieu d'Abraham. Ana Moïse alikuwa Mungu wa Ibrahim, Isaac na Israël. Alikuwa kama mwadisi. Mais c'est Dieu la historique. Lakini ule Mungu wa mwadisi yule. Il est le Dieu présent. Ni Mungu wa leo. Si nous croyons. Kama tunaamini. Il est le même hier aujourd'hui pour toujours. Ya kwamba ni yule jana leo hata milele. Croyons aussi que. Tuaminie tena sema. Tout ce qu'il avait fait hier. Bila mbata lifanya kachana. Il peut le faire aujourd'hui. Anaweza kubifanya tena il leo. Il doit le faire aujourd'hui. Anapesho tena kubifanya leo. Parce qu'il ne change pas. Kwa sababu abadilikake. Non seulement il peut. Aina tosi mana weza. Mais il doit. Lakini anapesho. Parce qu'il ne change pas. Kwa sababu abadilikake. Toi tu peux dire oh quand j'étais jeune. Ouais, on se m'appelle mais le quoi kiana. Je pouvais faire le footing ici. Mir pacha kukimbia ko mbio. Je pouvais faire le footing. Mir pacha kama kukimbia ko. Peut-être je quitte Kamalondo. Ça zingine mimi naweza kukimbia kutoka mu Kamalondo kwenda mu Kenya. Ou la fille je vais à l'aéroport je rentre. Mimi naweza kwenda ta kwa aéroport wa Mikulu mukukimbia. Ça c'est quand tu étais jeune. Ni pale le quoi kiana. Est-ce que tu peux le faire? Unaweza kuifanya tena leo? Non. Hapana. Pourquoi oh je joue ya nini? Miaka inakuwa ya mingi. Unasemisha kwa kuzee. Ça c'est toi. Ni wewe njo. Mais Dieu ne change. Mungu ye habadilikake. Dieu n'est pas dans le temps. Mungu ana mu wakati. Il ne peut pas dire. Hawezi kusema. Ce que j'avais fait. Kile mimi nilifanyaka. Je ne peux plus le faire. Hawezi tena kukifanya tena. Kwa sababu inakuwa mzee. Non non non. Hapana hapana. Ce qu'il a fait hier. Kile alifanya jana. Il doit le faire. Anapaswa kukifanya tena leo. Parce qu'il ne change pas. Kwa sababu ye habadilikake. Atakifanya tena kesho. Si la comme elle pone bien, il a ouvert les yeux des aveugles. Elle fonde la main de Bipofu. Il a ouvert les yeux des aveugles. C'est ça notre Dieu. C'est ça le message, frère. Il a fait avec frère Branham, c'est très bien. Elle fonde la main de Bipofu. Elle est mousouri. Et frère Branham dit. Quand je m'en irai, la guérison divine ne s'en ira pas. Parce que ce n'est pas lui. Kwa sababu haikuwa ke yeye. C'est lui qui opère. Ule alikuwa anatenda. C'est lui qui guérissait. Ule alikuwa anaponya watu. C'est le même. Ni ule moja moja. Qui est au milieu de nous. Mwenye ko tena katikati yetu ya asubuhi. Si vous le croyez, dites grandement. Ukiamini vile sema amina kubwa. Amen, amen, amen. Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Napenda kabisa Bwana. Dites j'aime le Seigneur. Sema na wewe napenda Bwana kabisa. Est-ce que vous l'aimez? Unampenda? Frère Branham dit. Nduku Branham asema hivi. À quoi servirait un Dieu historique? Il t'a tout servi à couner le quoi dans mon goût. Il n'est pas le même hier qu'aujourd'hui. Comme on a oulé moja moja Léo. Il a fait, il a fait, il a fait. Et puis on s'arrête. Arifanyaka, arifanyaka, je te suis même pas. Et puis toi tu es malade. Oh, il avait guéri. Kisha ouais, pas le qu'on a sema. Uko malade, lekin on a sema. Mungu ariponyaka. Alors pourquoi alors il me sert de quoi? Pas le peigné qu'on a conseillé à couner. Amen, amen, amen. Amen. Suivez ce qu'il dit. Mufate qu'il en a. Dans le message, il y a ici plus que Salomon. Mujumbe apa kuna yule anashindia Solomon. Du 25 juillet 1962. 25 juillet 1962. Frère Bam dit voilà. Amen.
Il dit, je me sens un peu religieux en ce moment même. Mais même moi, je me sens un peu. Si vous sentez bien, dites amen. Dites amen si vous sentez bien. Je me sens un peu religieux en ce moment. Oui. Dis. Un Dieu vivant. Mungu mwenye kuwa hai. Pas un Dieu mort. Apana Mungu mwenye kufa. À quoi servirait un Dieu? Itatusaidia kunini Mungu. Qui pouvait ouvrir la mer rouge? Mwenye alipasha kupasula bahari mwekundu. Il ne peut pas faire de même aujourd'hui. Kama hajiwezi kufanya ile mambo moya moya leo tena. C'est frère Branham. Niwe anasema ni ndugu Branham. Ce n'est pas moi, c'est Aina mie ni ndugu Branham. Je répète ce frère. Mie niko narudilia kile ndugu Branham anasema. Il continue. Anaendelee. À quoi servirait un Dieu? Il t'a touché des couilles, quoi, Namou? Qui pouvait guérir un lépreux? Moi, il passe à couper comme toi, Bukama. Dans les jours d'autrefois, Mouakati Nginele, s'il ne peut pas faire de même aujourd'hui. Kama choisit un coupon à Bukama Nginele au terre. Un Dieu historique ne servirait à rien. Mungu atisi wana wazamani hata tusaidia kukinto. S'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui. Kama na yule moja moja tena leo. Un Dieu historique Mungu adis, ne servirait de rien, kukintu, ne servirait à rien, kukintu, s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui. Kama na yule Mungu moja moja tena leo. Papa me dit c'est juste. Donc, asema, ni haki kabisa. Est-ce que vous dites aussi c'est juste? Non, je sema, ni haki. Dites c'est juste. Sema, ni haki. C'est juste. Njo vile. À quoi nous servirait Dieu historique? Mungu adis, atotusaidia siku nini? Un Dieu historique Mungu adis. Ne servira à rien. Atatusaidia kunini? Il n'est pas le même Dieu aujourd'hui. Kama na yule Mungu moja moja tena leo. C'est juste. Ni haki. Il est le même Dieu hier. Ni yule Mungu moja moja ja. Aujourd'hui. Leo. Et éternellement. Nata milele. Le même Dieu. Mungu moja moja. Amen. Amen. Qui demande seulement la même foi. Mwenyeko naomba paka ile imani moja moja. Et ces gens-là. Ya bale bantu. Avaient exercé. Benye balifanyaka na bo. Si nous avons la même foi, kama tuko na imani moya moya, comme celle d'Abraham, kufanana na Ibrahim, amen, amen, comme celle de Marie, kufanana tana ya, comme celle d'Elisabeth, na Elisabeth, comme celle de Anne, ata ya Anne, toi la femme qui n'a pas d'enfant, wewe mke mwenye una na batoto, si tu as la foi, kama uko na imani, le même Dieu, ule Mungu moja moja, qui a donné l'enfant, mwenye alipataka mtoto, à Elisabeth, akapatia Elisabeth, à Anne qui priait dans le temps, mwenye alipataka ana mtoto na kama mpaka mwekano, alikuwa naomba Mungu, Mungu alijibiaka maombi yake, si toi tu as la même foi, sasa wewe na wewe kama uko na imani moja moja na huko naomba ule Mungu moja moja anapesha kukupachana wewe mtoto. Amen, 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 amen. Tu vas encore, il dit encore autre chose ici dans la même chose dans le message. Pourquoi je suis contre les religions, la religion organisée? Mumu ujumbe ni juu ya nini napinzana kabisa na madini yenye kutengeneza. Du 11 novembre 1962. 11 novembre 1962. Paragraphe 127. Kipindi mia moja makumi mbili na saba. Il dit la même chose. Anasema kitu moja moja. À quoi servirait un Dieu historique? Itatusaidia kunini kwa na Mungu wa hadisi? S'il n'est pas le même aujourd'hui. Kama na yule moja moja tena leo. À quoi servirait le Dieu de Moïse? Mungu wa Musa tutusaidia kunini? S'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui. Kama na yule Mungu moja moja tena leo. À quoi servirait un Dieu qui pouvait sauver un homme à la croix? Mais qui ne pourrait pas en sauver un autre dans la même condition aujourd'hui. Comme je l'ai toujours dit. À quoi sert-il de donner à votre canari une canari mbata kaloko de bonnes graines et de bonnes vitamines pour qu'il ait des ailes bien solides et des belles plumes pour le mettre ensuite dans une cage? Je ne comprends pas cela. Essayez de parler à un homme d'un Dieu puissant et tout et le mettre dans une organisation qui ne croit même pas une telle chose. C'est la raison pour laquelle ça faillit toujours, ça faillit. Parce qu'il est mort. Vous ne pouvez pas utiliser cela. Dieu n'utilise pas cela. Mungu atumikishake ile. Amen. Amen.
Amen. Amen. Le grand Dieu. Mungu mko. Le Dieu du ciel. Mungu wa kumbingu. Ne change pas. Habadilikake. Il ne change. Yeye habadilikake. Il faut croire cela. Inapasha kuaminia vile. Amen. Amen. Il faut le croire bien aimé. Inapasha kuaminia vile wapendwa ndugu na wadada. Amen. Amen. Alors tous les croyants, tous les hommes de foi, les héros de la foi. Waaminifu wote, watu wote wa imani, wale wasujao wote wa imani. Ils ont toujours su. Bale yuaka toa sema. Que le Dieu qui avait fait l'histoire. Mungu l'alifanya kama mambo zamani. Il est le même aujourd'hui. Ni yule moja moja tena leo. Ce qu'il avait fait. Kila alifanyaka. Il peut le faire. Anaweza kufanya tena. Non seulement il peut. Aina tosema anaweza. Lakini anapasha kukifanya vile vile. Parce qu'il est le même. Kwa sababu habadilikake ni yule moja moja. Ni yule Mungu moja moja. Le même Dieu. Mungu moja moja. Amen, amen, amen. Amen. Il ne change pas. Yeye habadilikake. Il ne change pas. Habadilikake. Alors, frère, maintenant, m'a prêché un message. Ivi, donc, madame, le bureau, djumbe. Une robe d'occasion. Anasema nkanju ya nkombo. C'est une robe. Ninkanju. Usagée, donc. Nikusema muntu mwingine acha kuivuala. Quelqu'un l'a déjà utilisé. Muntu acha kuivuala mwingine. Ça vient dans des friperies ici chez nous. Inakuyaka omu mankombo mkweto. Tu vois, ah, une belle robe. Muntu anaona sema nkanju ni ya mzuri. Tu l'achètes. Unayuza. Quelqu'un l'avait déjà utilisé. Kuruku yaka muntu mwingine alikuwa ashakuivala kwa kumbele yako. Il dit le manteau d'Élie. Anasema nkochi ya Elia. C'était un manteau d'occasion. Ilikuwa kwa ni nkochi ya nkombo. C'est Élie qui avait porté. Élie ndio alikuwa ashakuivala kwa yeye ndio alikuwa wa kwanza kuivala. Anayacha. Élisée l'a pris. Elisha naye anaibeba. Bien qu'Élisée avait pris cette robe d'occasion. À ta ville, Elisha alibeba kile nkanju ya nkombo. Il voulait que le Dieu alikuwa anapenda sema Mungu wa Elia soit un Dieu au présent. Akuye Mungu wa bia leo pale pale. C'est pourquoi il lui avait demandé la double portion. Njoo kwa lombaka ile roho mala mbili. Suivez un peu ce que frère Bamba. Mufate kwa kile ndugu bwana mala sema. Dans ce message une robe d'occasion. Mujumbe nkanju ya nkombo. Message prêché le 25 novembre 1956. Le 25 novembre 1956. Paragraphe 110. Kipindi kia mia moja na kumi. À 116. Hata 116. Et puis dans la même prédication, on va encore reprendre 50. Paka mwile mobili moja moja tutachukua tena kipindi kama 15. Je voudrais que vous 50 à 55. Tabeba tena 15. Je préférerais commencer d'abord par 110. Lakini mimi napenda kuanzia kwa 110. Tuanze kwa hivi. Mufate. Frère Branham dit. Ntoko Branham asema hivi. Élie. Elia avait fait de même. Alifanyaka vile vile. Lorsqu'il est arrivé au Jourdain. Wakati alifika ku Jourdain. Pour faire face au monde des critiques. Qu'a-t-il dit dans ses cris? Où est le Dieu d'Élie? Il veut bien parler d'Élisée. Alikuwa anapenda kusema juu ya Elisha. Où est le Dieu d'Élie? Akasema Mungu Elia iko wapi? Ce n'est pas la robe d'Élie qui fit cela. Aina kanju wale ile nkocha ile ilifanyaka vile. C'était la puissance du Dieu d'Élie qui fit cela. Ilikuyaka ni uwezo ya Mungu Elia ndio ilifanyaka vile. Comprenez très bien. Mwelewe pale mzuri. Est-ce vous pensez que c'est la robe qui a ouvert les larmes? Mwemko na Zania sema ni ile ile nkocha ndio ilipasulaka Jordan. C'est la puissance. Ni uwezo du Dieu d'Élie. Ya Mungu Elia. Cette puissance était sur la robe. Ile uwezo ilikuyaka yule ile nkanju. C'est comme quand on prie sur le mouchoir. Njo kamana wakati tunaombea hata juu ya kitambala. Et c'est le mouchoir qui te guérit. Kitambala ndio kinakuponya. C'est la puissance. Ni uwezo. Qui accompagne ce mouchoir. Yenye kuna shindikiza kitambala kile. 111. Et la chose dont le monde a besoin ce matin. Na kitu kenye ulimwangu mzima iko nahitaji hii asubuhi. C'est la puissance du Dieu d'Élie. Ni uwezo ya Mungu wa Elia. Vous pouvez avoir parlé en langue. Unaweza kusema mumaruga. Et avoir poussé des cris. Unaweza hata kulalamika. Avoir couru sur les planchers. Unaweza hata kuzunguluka na kukimbia kimbia. Mais c'est dont nous avons besoin. Lakini kile tuko nacho kama hitaji. C'est de la puissance. Ni uwezo. Du Dieu de la Pentecôte. Ya Mungu wa Pentecôte. Pour qu'il produise des vies. Juu ya alete ko uzima. Et des choses. Na bintu. Qu'on avait connu en ce jour-là. Bienye bilitendeka kama ile wakati. Au temps des apôtres. Mu wakati ya wa mitume.
une robe d'occasion. C'était une bonne chose. Mais il avait besoin d'un appel frais venant de Dieu. Il avait besoin d'une onction fraîche venant de Dieu. Il portait une robe d'occasion. Lorsqu'il est arrivé à la rivière, mais il avait besoin d'un appel tout neuf. De première main. Alikuwa anapenda itokee kwa yake mwenyewe kutokea kwa Mungu. D'une puissance de première main. Kutokea tu kuwezo ya kutokea kwa Mungu pale pale kutokea kwa Mungu. Pour accomplir les miracles. Tu ya kutimiza ako muujiza. Mon frère. Nduku yangu. N'ayez pas peur. Usiwe na boka. De demander à Dieu. Tu ya kuomba Mungu. Wake ce soir. Ayuzuru kitu kani. Si tu as même peur de demander, c'est que tu ne crois pas. Kama uko tu na boka bonye bo kuomba ta kumbele ya Mungu kitu fulani. Nikusema wewe mwenyewe uamini. Si tu crois qu'il est le même. Kama unaamini nasema ule Mungu ni yule moja moja. Le Dieu de la Bible. Mungu wa Biblia. Le Jehovah de l'Ancien Testament. Yehova wa Agano la Kale. C'est lui Jésus-Christ. Yeye ndio Yesu Kristo. Il était avec Branham. Ule alikuyaka na Branham. Aujourd'hui. Leo hii. Il est dans l'église. Eko ndani ya kanisa. Leo. Il est au milieu de nous. Eko katikati yetu. Aujourd'hui. Leo. Il est en nous. Et condamne-moi tout. Dans une certaine mesure. Pour qui pime qui moi foulard. Avec Dieu, frère. Avec Dieu. Namung. Avec Dieu. Namung ouyou. Si Dieu est pour moi. Kama mungu kuchu yang. Qui pourrait être contre moi? Ni nani tapizana na mimi? De qui aurais-je peur? Mimi mwenye ntaongopa nani? Dieu est pour moi. Mungu yuko juu yangu. Dieu est avec moi. Mungu yuko pamoja na mimi. Je suis un enfant. Mimi niko mtoto wa Mungu. Je suis comme un petit enfant à côté de son père. Niko sawa vile mtoto kiloko pembeni ya baba yake. Tout ce que le diable peut faire. Même si j'ai des maux de tête. Même si là, ça ne va pas. Je vais dire Satan. Mon père est là. Mon père est là. Ça doit aller. Ça doit aller. Amen, amen, amen. Amen. Frère, il faut être des enfants. Il n'a pas choqué pas Toto. Des dieux. Pas Toto, pas Mungu. Qui sont fiers de leur père. Peigne quoi na fier qui a mis sa papa yabo. Qui est fier de son père. Ni nani est qu'on a fier de papa yake yabo. Bougez un peu comme quelqu'un qui a foué. Si même qu'on savait le monde, monnaie qu'on a fier de papa yake yabo. Quelqu'un qui est fier. Tu savais le monde qu'on a Mungu. Comment on doit avoir peur. Ni nani le quatre soukana boka. Je suis le fils de Dieu. Mais comme Toto wa Mungu. Moïse, je suis le fils de Dieu. Moussa, ni comme Toto wa Mungu. Dieu donné. Je suis un fils. Niko mutoto wa Mungu. Sœur Gina. Tu es une fille de Dieu. Uko binti wa Mungu. Es-tu une fille de Dieu? Uko binti wa Mungu. Tu dois être fier. Una pasha kwa na fier. Frère Crispin. Ndou Crispin. Es-tu un fils de Dieu? Uko mutoto wa Mungu. Le Dieu qui a ouvert les yeux des hommes. Mungu la lifungula kama si la médecine dit c'est impossible. Ata kama baganga wanasema bika wezekana kana kidi Mungu yeye. Anabijua kabisa. De tout ce qui est difficile. Bien quoi bien nguvu. S'il a ouvert les yeux, qu'il ouvre tes yeux. Comment il fungula comme un jobant tu bengi na fungula na yeto. Cela. Mina mini ya file. Réclamer cela. Na ita y file. Réclamer jusqu'à ce que les yeux s'ouvrent. Mini kona ita y pas qu'on a pas les mains choco ta funguka. Si ça ne s'ouvre pas aujourd'hui. Comment il funguka ça va s'ouvrir demain. Qu'est-ce si ce n'est pas demain. Comment il a qu'est-ce après demain. Qu'est-ce si yeto. Comment il a qu'est-ce yeto. Ya choco ta funguka kapaka. Amen, amen, amen. Amen. N'ayez pas peur. Siwe na boka. Qui ont peur de demander? Nani ko na boka bakulomba. Il dit n'ayez pas. Anasema musiogope. De demander n'importe quoi. N'ayez pas peur. Kulomba kile kyote unapenda usikwe na boka. Si Dieu te dit. Kama Mungu anakuambi. Demande $1,000 maintenant. Lomba $1,000. Si tu sens cela. Kama tu na sikavi. N'ayez pas peur. Usikie boka. Ne réfléchis pas. Usiwaze. Seigneur, comme tu as mis cela sur mon cœur, je demande. Ça vient là on a sait mami ni lobe $1,000 na lobe pas capable ça. Alléluia. Amen. Mon frère, nduku yangu. N'ayez pas peur. Usiwe na boka de demander. Tu ya kuomba à Dieu quoi que ce soit. Kwa Mungu aizuri kitu kani. Il dit vous devez exiger et puis la corriger. Anasema ulipashwa kulazimisha lakini vous devez exiger à Dieu. Ulipashwa kulazimisha Mungu lakini. Ou plutôt voilà demander à Dieu. Kumuomba tout ce
tout ce qu'il a promis. C'est très important. Dieu, on ne l'exige pas. Dieu est souverain. Même si tu demandes, il va te l'accorder à sa manière. C'est lui qui connaît ce qui est bien à te donner. Et il sait quand te donner. Et frère Madame donne un exemple. Il dit si un enfant de 2 ans voit son père en train de se raser, il rase la barbe. Papa, donne-moi aussi le rasoir. Donne-moi le rasoir. Ah, quitte-la, toi. Ah, oui, toi, ah, mise à faire cache. Papa, il se tape. Alors, il piquane, roule, que tu n'y as pas. Je ne veux pas manger. Mie, chita kuria, Léo. J'ai fait la grève de faim. Mie, Léo, le coussin, ma chita kuria. Le temps de manger arrive, vous lui donnez à manger. Ou à kate à kuria, ne fait pas. Ah, ou ta kuria. Ah, chita kuria. Mie, Léo, chita kuria. Pourquoi tu ne veux pas? Ni m'a pas kali. Ouais, à kuni pati, ou embe. Premier jour passe. Chikumo en apit. L'enfant est sérieux. Qu'est-ce que tu as dit? Le deuxième jour. Chikou yapir. Non. Pourquoi? Le papa me donne. Parce qu'il a fait cette grève de faim. Papa va prendre la lame de la zone. Lui donner. Parce que Dieu sait que l'enfant demande, c'est par envie seulement. Une cupidité seulement. Parce qu'il a vu son père. Il demande, mais il n'en a pas besoin. Dieu sait qu'il n'a pas besoin de ça. Son père ne va pas lui donner. Si cette papa là donne cette rame. Cette lame de rasoir. C'est que c'est un piètre père. Il ne va pas lui donner. Ah ouais, c'est pas pleurer tout ça. Moto ta aussi, je peux venir. Na wewe unaweza kwenda wewe. Je peux gérer pendant 10 jours. Minta funga chakula mashiko 10. Je vais demander. Minta omba. C'est que tu demandes là. Kile kunaomba kile. Je sais. Mungu shana yua. Alors pour cet enfant, ça c'est Dieu mtoto. Le père ne lui a pas donné. Baba ashumpachi. Il a gardé. Anaichunga. Mais il sait que l'enfant demandait une lame. Lakini baba yeye anayosema huyu mtoto alikuwa analombaka bwembe. 16 ans après, l'enfant a 18 ans. Kisha miaka 16, mtoto anakuwa sasa na miaka 18. Na la ba. Angara mandevu. Mais ne demande pas. Ashilombe tena bwembe. Son papa va dire, "Eh, sasa baba alimutezima Jean vient. Kiana Jean, kui kui kui. Prends la lame de la zoa. Bwembe bila zoa bila ko. Prends. Mishi na bezo na kubeba. Va te raser. Tosha mandevu. Vous comprenez? Munelewa. Il lui donne maintenant. Anampatia pa sasa. Tu anaona sema. Anakuwa nayo lazima hapa sasa. Amen. Tu peux même demander beaucoup d'argent. Unaweza kulomba makuta ya mingi. Je te connais. Mungu shanakuyua bien. Il sait que tu n'es pas encore sérieux. Anayota sema wewe mwenyewe au yakwa ta munyofu ashimama sa. Ce qu'il veut. Kila napenda. Salut. Tu pries comme ça parce que tu n'as pas du travail. Je connais ça. Il faut que tu sois fermé. Il va te donner tout ça. Parce que s'il te donne maintenant, tu l'oublies. Ah, l'argent. Toutes les filles sont mes filles. Parce que tu sais que tu n'étais pas encore affirmé. Ana tu n'étais pas encore délivré. Auya okolewa. Il attend. Ana chunga mbele. C'est lui là où lui a donné l'argent. Ana pacho le makuta. C'est lui là, ce n'est pas toi. Ule marekaburi aina we. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Kiko nafanya upako kwa wale kwa mema wale wanapenda Mungu. Pasteur. Pastors. J'ai 28 ans. Mina kwa na miaka 12 na 8. J'ai dit à une fille comme ça, il ne faut pas pleurer. Mira bia binti moi c'est ouais apana kudia. Je vais te donner un bon mariage. Mungu atakupatia bwana mzuri. Je vais prier pour ça. Mintaomba juu ya ile. Et je crois. Na mina mine sema que tu vas entrer dans un bon. Utengia mundoa ya mzuri. Non mais 29 ans parce que il y a quelqu'un comme 12 nakenda parce que je suis entré dans la trentaine. Je ah pas chimina ta kuingia kwa miaka 15. Je me suis gardé. Je suis sérieux. Mina di chunga niko naomba niko ambie. Ça c'est toi. Oui, ndio unasema vile. Peut-être l'homme que Dieu t'a préparé. Ça zingine ule mwanaume Mungu alikutayarishia. Il est encore irresponsable. Ça zingine hayakwata na kazi yeye. Oh, c'est celui-là ton mari. Ule mwenyewe ule ndio bwana yako.
Dieu veut qu'il soit fermé. C'est lui qui viendra te pousser. S'il te pousse maintenant, tu vas vivre le calvaire ou bien l'enfer. Comme Dieu t'aime. Comme il t'aime. Il veut que tu ne sois pas perdu. Il s'intéresse à ton bonheur. Mais l'homme là, toi, tu ne le connais pas. Mais Dieu le connaît. Il sait qu'il est encore un vagabond. Dieu est en train de chercher. Il est en train de le tailler. De ce qu'il fait. Une fois qu'il est affaire, je peux maintenant lui faire confiance. Comme ça, je lui donne ma fille. Pourquoi tu pleures? Il ne faut pas pleurer. Si tu es un fils de Dieu, ou une fille de Dieu, réjouis-toi toujours. Mais en toute chose, fais-tu connaître à Dieu ton besoin par la prière et les supplications. Si vous croyez cela, dites grandement. Il ne faut pas pleurer. Apa na kuria. Prie. Pourquoi crier? Sema. Tous mes amis, nous sommes en train de mariage. Elle a déjà deux enfants. Oui, oule, oule, tu vas avoir les enfants. Pourquoi tu pleures? Les enfants vont venir. Amen, amen, amen. 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 Donc n'ayons pas peur. Ni kusema tusiwe na boka. Amen. Amen. De demander de grandes choses à Dieu. Juu ya kuomba Mungu bintu bikubwa wala binene. Bien. Sawa. Il dit ceci. Anasema hivi. Nous étions déjà quel, nous avions déjà lu quoi, 114. Mon frère, n'ayez pas peur de demander à Dieu quoi que ce soit. 113. Vous devez exiger à Dieu, oh non, non, ou plutôt demander à Dieu tout ce qu'il a promis. Il ne faut pas exiger, il faut demander. C'est comme quelqu'un, frère, on parle de quelqu'un. C'est de Dieu. Seigneur Jésus, je t'ordonne de chasser. Tu as mal prié. On n'ordonne pas le Seigneur. Tu lui demandes, c'est toi qui ordonnes aux démons. Toi, fils de Dieu. Satan. Je t'ordonne. Au nom de Jésus. Démon de maladie. Je t'ordonne. Au nom de Jésus. Mais à Jésus, on ne dit pas je t'ordonne. Seigneur, si c'est ta volonté. C'est comme ça qu'on demande. Si tu veux, Seigneur. Si tu veux. Bwana, kama unapenda. Parce que Jésus est souverain. Kwa sababu Yesu ye eko uru. Il fait ce qu'il veut. Eko nafanya. Paka kile ya napenda kufanya. Dites grandement amen. Sema amina kubwa. Un jour, frère Branham. Shiku moja nduku Branham. Il avait prié pour une sœur. Aliombea katata moja hivi. Qui souffrait de l'urémie. Une maladie là. Alikuwa kuna malaria moja hivi. Et puis, son enfant était mort. Kisha mutoto mwenye alikuwa naye mumimba alikuwa mwenye kufa. Il fallait qu'on l'opère sinon il allait mourir aussi. Iripasha mpasule kama na vile naye mwenye mama alipasha kufa. Frère Branham est allé. Ndoko bana makaenda. Il a prié. Akaomba. Et puis kisha c'est dans le message je crois jugement pour avertissement pour jugement. Ni mujumbe sopesho kisha. C'est une longue lecture, une longue histoire. Bon, je raconte seulement. Ni somi mrefu mimi napenda kufupisha tu kumionyesha. Cette femme-là a été guérie. Sasa, ou le mama bole, a kapon. On a fait des examens, elle est guérie. Bakenda kumuchunguza na pon. Frère Branham a voyagé. Donc, Branham a kenda ku safari. Alors, un matin, asubuhi moya, elle dit à sa mère, maman, je veux rentrer à la maison. Akamame, sa maman qui gardait cette... C'est une jeune femme hein, qui avait sa mère qui la gardait. Je vais rentrer à la maison. Ule mama yabo, ule mgonjo, alikuwa na mama yake m'hôpital mula. Akamwambia sema mimi napata kutoka. Docteur a dit on va opérer, on va faire comme on a fait les examens, il n'y a plus cette maladie là. Docteur, frère, maman a prié, tu es guéri.
Anasema unapasha bakupasule kwa sababu hauna tena na magonjo tu maana malikombea usha kupona. Parce que quand tu as reçu sa guérison. Wakati alipata kuponyaji wake. Le papa de cette femme là. Baba yake yule mama yapo. C'était un païen, il croyait pas. Alikuwa kama mpagani. À cause de cela. Juu ya ile tu. Je vais croire. Toute la famille était à cause de ça on va croire. Juu tu ya ile jamaa yote mzima bakaamini. Maintenant. Sas. Elle dit à sa mère, maman, je vais rentrer à la maison. Ah, quand même, maman, c'est maman. Après, tu retiens qu'on y est. Mais attends, quand on va faire le matin, là, on va seulement lever la. Tu tchunges tout à Subui. Pas le bateau, pas sur le bateau, chez Mkutoto, il est tout. Je dis non, je parle de la maison céleste. Apana, mina se magwenda kunyumba ya kumbingu. Mais la maison céleste. Même nyumba ya kumbingu. Mais tu iras à la fin des temps. Kule sutendaka ni kisha mawakati. Dis non. C'est maintenant la fin. Mina se ma hapa sasa. Oh! Et cette femme là était morte. Ça sole mama bolia kakufu. On l'a enterré. Quand frère Baname est rentré, wakati tuko Baname le rudia yeye. La femme lui a dit, tu connais la sœur pour qui tu avais prié? Dieu baka mwambia c'est mon yule dada bore ombea ka. Oui, que Dieu avait guéri là. Ule Mungu aliponya ka ule. Oui. Eh ule. Elle est morte. Acha kufu. Ah! Elle est morte. Anakufa. Comment ça? Anakufa na mnaka. Il est allé, il a commencé à parler à Dieu. Dieu a kaenda, kwanza kuomba. Seigneur, tu me dois des explications. Bwana, Dieu a eu mambo, unyoneshe. Pourquoi alors tu l'as guéri? Ulimponya Dieu a nini? Maintenant les gens ont cru. Sasa bantu banaaminia. Maintenant tu la reprends. Banaaminia, wewe una Mungu. Tu me dois des explications. Hapa unyoneshe, unapacha pa kunyambia. Frère Branham dit. Ndugu Branham asema hivi. À cause de ça. Tutu ya ile. Dieu a retiré l'onction. Mungu akatosha upako. Il est resté pendant longtemps sans communion avec Dieu. Ashikona shiriki na Mungu tena. Et puis il dit, Dieu akasema hivi. Adieu. Kwa Mungu ko. On dit pas tu me dois de. Mungu hawezi kumwambia sema unapasha pak kunyambie. Quand il s'est humilié. Dieu akatinyenyekesha. Seigneur pardonne. Bwana unisamehe ko. Unisamehe ko. Et Dieu maintenant l'appelle. Dieu Mungu akamwita. Bien. Kuya, kuya. Il lui montre en vision. Dieu akamwonesha muono. Regarde cette femme là. Angaria ule dada yabo. Ce jour là. Il est chiku ile. Elle était à la plage. Alikuwa ku plage. Elle est allée. Akaenda. Elle est tombée dans l'eau. Akaanguka mumai. Elle commença à s'éloigner. Personne n'était là. Aranza kutumbukizwa wale kuzama mumai muli. Ce jour. Alikuwa hata mtu wa kumtosha amu. Ce jour là. Asa nasema ile chiku ile. Elle allait mourir. Alipashaka kufa ile chiku ile. Tu étais là? Wewe ulikuyaka hapo? Qui l'avait protégé? Sasa ule alimukinga kumtosha mumai. Ilikuwa ni wewe. Moi je l'ai gardé. Mimi rimuchungaka. Parce qu'elle n'avait pas encore cru. Jo alikoka shaamini. Maintenant il a cru. Sasa hapa anaamini. Elle est prête. Anakuwa tayari. Je la reprends. Mimi namchukua. Où est ton problème? Mambo yako muhi mambo iko wapi? Dieu demande au prophète. Anaambia nabii. Frère. Ndoko. Sœur. Dada. Dieu est souverain. Mungu yuko huru. J'ai bien entendu un autre garçon là son père est mort. Ah! Je ne croirai plus. Mie Dieu connaît kunaisha shitamini yakaten. Ne dites pas ça. Apana kusema vile. Tu vois les autres mourir, les parents des autres meurent, tu les vois. Baba baba mais ne pas kunakufa. Tu dis on a qui n'existe pas. Sasa kama baba yako anakufa sasa Mungu ashikana yake. La mort existe. Ufuzulu kwako. Chacun de nous, kila mmoja wetu a une période de vie un séjour à passer sur la terre. Eko na mashiku ya kupitisha pa dunia. Quand c'est arrivé à la fin, c'est fini. Kama ile mashiku inafika kumwisho. Mambo inaishia pale. Il faut en profiter pendant que tu as le souffle de vie pour servir Dieu. Mu mashiku ile uko na pumua na uzima, tumikia Mungu. Quand c'est fini, c'est fini. Ikimalizika ndio mwisho. Il te reprend. Anakuchukua. Vous pleurez ça fait mal. Unalia inakufa mubaye. Dieu avait donné. Mungu aletaka. Dieu a repris. Mungu anachukua. Que son nom soit béni. Jina lake sifiwe. Quand j'avais perdu ma fille. Wakati nilipotezaka binti wangu. J'avais perdu une fille. Mimi nilipotezaka binti. Elle avait quel âge ma chère? Arukyaka na miaka ngapi? Hein? Une année 6 mois. Arukaka na mwaka na miezi 6. J'étais au service de Dieu. Nilikuwa kama mkaji ya Mungu. Ces jours-là. Ile siku hiyo. L'enfant avait toussé toute la nuit. Mtoto alikuwa holaka busiku buzimu. Sa mère est un corps médical. Mama yake chana yaka kutunzi. Ce jour-là, je pense devait être en repos. Il est chiku alikuwa kama je devais quand même les amener à l'hôpital. Ni pasha kumpeleka hospitali.
le matin là, à Subui, quand je devais aller, wakati il y a eu un cas sérieux. Kukakuya mambo ya pale, pale, pale. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est toi qui étais là. Na wazia se mambo kama unakumbuka ilikuwa ni mimi. Ni toi kale ni mimi, ndio nilikuwa na ile mambo. Ni mimi. Ça coïncide, je parle de lui. Niko nasema mambo ni yake yeye. Ils sont venus avec un dossier. Akafika na mambo. Avec une sœur là-bas. Na dada moya kule. Oui, nakumbuka. Ces jours-là. Il est chiku ile. J'ai traité. Ndiko nasema ile mambo yabo. Ce dossier-là m'a pris tout le temps. Ile mambo yabo ile inanibeba siku mzima. On devait aller à l'hôpital. Mimi pasha kwenda kwa hospitali na mtoto. On est resté. Tu tunabakia pale. Quand on a terminé avec eux. Tunaisha kusema nabo. J'ai tranché. Tunakata mambo yabo. Je les ai réconciliés. Mimi na papatanisha. Ils sont partis. Bon, ba nenda na mimi nenda. Comme c'était une fille claire, claire, claire. Savile kwa binti moupe moupe sana. De tous mes enfants, elle était très claire. O lenjo alikuwa mzungu. Alors, nous ne savions pas. Ça, à tout cas, le médecin dit non, elle n'est pas, l'enfant n'a pas. Oh, mais comme elle est claire. On a fait des examens. Pendant mon chongo, ça parle, mais c'est ma savie, les dames, il n'y a pas de sang. Écoutez, c'est qu'il a fait la fièvre. Il n'y a pas de sang. Il faut qu'on le. Qu'on le transfuse. Bana sema savile mtoto muope kabisa na damu inapasha kumeka damu nyingine. Je ne pouvais pas penser à quelque chose de grave. Mishi kwa na wazia sema mambo itakuwa ya nguvu. On m'a dit non, il faut. Et ce jour-là, nous avions une réunion, on devrait avoir une réunion du conseil d'administration à l'église. Na ile nyeshi kutupasha kwa na shauri ya mkusaniko kwa kanisa. Et le pasteur André et les autres diacres étaient à l'église. Pasteur André na bashima sibingi balikuwa kwa kanisa. Et moi à Bonzola avec mon épouse et mon enfant. Mie ku Bonzola na bibi yangu na mtoto yangu. Alors, on a dit qu'on doit me prendre du sang. Djoba kasema mnapasha kutosha damu. Au labo. Tenda ku labo. Bora fama chunguzi. J'étais là, on prenait. Mais quoi mais prendre le sang. Ya kubeba damu yenyewe. On essaie, ça ne sort. Bana pima hapa damu itoke, bana pima huko itoke, huko aingie. On met ça commence peu. Baneka tunaanza kutoka tunakotoka tunakauka tena. Baneka tena tunashimama. Moi je suis un donneur, j'ai toujours donné le sang. Mais c'est mimi na kabureka bantu madamu bota. Et quand ça commence à sortir, pale inaanza kutoka kiloko kiloko. Je vois seulement un autre infirmier. Mino na paka mganga mwingine nafika. Arrêtez, arrêtez. Shimamisha bel. Le docteur cherche le diacre. Docteur anatafuta ko shemasi. Comment il dit arrêtez. Docteur anasema mshimamisha bel unafanya bana mwita. Comment on peut arrêter? Tutashimamisha bel unatosha damu. Le sang ça commence à sortir on arrête. Damu yenyewe inaanza kutoka sema mshimamisha. J'ai vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nasem, hapa mimi nasema kuna mambo hayaendeki mzuri. Et puis il a appelé l'autre, ils sont sortis. Kisha arrête mwingine bana toka tena. Et puis l'autre rentre. Kisha mwingine. On enlève. Na pacha tu ondoshi. Na lève. Bana toshi. Je le dis moi qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mimi nikamwambia uniambie wewe. Wewe ndio unatoka kule. Qu'est-ce qu'il y a? Ni mambo kani kuko kule. Non, venez le docteur. Ah, le docteur je kuna kuita. Et l'enfant était mort. Mtoto pale alishakufa. Frère. Ndoko. J'ai seulement ce téléphone ceux qui étaient en réunion. Ndio nikapika tu simu kwa pale walikuwa mkusaniko. Mon enfant vient de mourir. Kumbe mtoto wangu anatoka. C'est pasteur André qui j'avais. Pasteur André ndio nilimuita. Ton enfant. Mtoto yako. Mon enfant. Eh, mtoto yangu. C'est pas vrai ça. Il y a une il y avait quoi? Il était malade. Alikuwa mgonjwa. J'ai expliqué un peu. Nikamfasiria vile mambo yalikuwa. J'envoie des gens pour t'assister tout ça. Mina tuma bantu pakuko kusaidia pale. Mon chauffeur est venu avec les gens pour m'assister. Ndio bantu pakakuja kunisaidia pale. Et nous sommes rentrés. Tokarudi. Dieu qui avait envoyé. Mungu l'alitumaka. C'est Dieu qui avait repris. Ndio l'alibebaka tena. Amen. Amen. Et quelque temps, c'est là que Moïse était né. Kisha masiku ndio pale Musa alizaliwa. Elle était la grande sœur à Moïse. Alikuwa kwa tata yake ya Musa. Donc vous comprenez bien aimé. Hivi mnaelewa wanduku. Non seulement ça. Aina tu il. J'avais encore perdu des jumeaux. Mimi potashaka tena ba mapasa. On m'appelle aussi Shambui. Bana nitaka na mimi Shambui, mui wake. Ne vous étonnez pas si on m'appelle Shambui. Mujishange mimi nikataka Shambui. Bon, ce sont des épreuves. Ni kusema ni majaribu. Je suis passé par là. Na mimi nilipitia hapo. Mimi onja. Je n'ai pas dit que Dieu tu n'existes pas. Mimi sikusema que sema Mungu wao kalake iko tena. C'est ta volonté. Hapana. Tu as donné. Ulileta. Tu as repris. Unachukua. Que ton nom soit. Dire la kulisifiwe. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas exiger Dieu. Ni tu ya kumelesha mwi Biblia utasema hapana kulazimisha Mungu. Amen. 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 Faut pas exiger. Hapana kulazimisha Mungu. Je parle pour tous ceux qui passent par des épreuves. Niko nasema Dieu hapale bote wanapitia majaribu. Ta femme après toi, ta fille. Ce sont des épreuves. Wakati moja mke wako kisha binti wako ni majaribu.
Peut-être toi tu n'as pas les mêmes épreuves que l'autre. Ça zingine, we, auna na majaribu yeye patana. Toi, ce sont des épreuves d'une autre manière. Ça zingine uko na majaribu ya namu na ingine. Frère Branham dit. Ndugu Branham asema hivi. Dans Christ est révélé dans sa propre parole. Mu Kristo mwenye kufunuliwa mwenye loko binafsi. Le diable a droit à un coup. Asema te donner. Shetani ana haki ya kungumi moja ile atakupiga. Il faut veiller sur ça. Ina pasha kwanza kukeshi tu ya ile. Peut-être pour toi. Ça zingine kwako we. Paf, tu ne marches plus. Wa utembea kiteni. Tu vas refuser Dieu. Utakatala Mungu. Non. Attends. Tu peux prier. Unaweza kuomba kuomba. Pour toi. Juu yako wewe. Il dit sa grâce te suffit. Anasema neema yake na ile. Tu ne meurs pas mais tu restes comme ça. Wewe hautakufa kama utabaki paka vile kilemu. Frère Bana m'a prié pour une femme. Ndugu Bana aliombea kama mwanamke mmoja. La sœur Edith. Dada Edith. La jeune sœur à la sœur Hattie White. Muloko yake ya dada Hattie White. Elle était infirme. Arikuyaka kilema. Frère Branham a prié pour elle plusieurs fois. Ndugu Branham alimwombeaka mala na mala. Et cette sœur. Ule dada huyo. N'est jamais guérie. Ashikopo kishiko ta mwana. Elle est morte infirme. Arikufaka yeye paka wa kilema. Même quand nous prions Dieu. Ata wakati tukunaomba Mungu. Nous disons que ta volonté soit. Tunamwambiaka sema mapenzi yako itendeke. C'est pourquoi je disais le vendredi Mukazita. Dieu répond toujours. Mungu anajibiaka paka. Mais il a sa manière. Lakini yeko na namna yake. Quand tu demandes quelque chose, unaomba kitu fulani. Il te donne ça sous une autre forme. Anakupatia kio munamna nyingine. Selon sa volonté. Kufuatana na mapenzi yake. Mais toi tu voulais seulement ça. Lakini wewe unataka pende paka kile. C'est comme quelqu'un qui peut prier. Yeko sa mtu anaweza kuomba. J'aime cette fille là. Mimi napenda le binti huyu. Je veux une fille comme ça. Mimi napenda kama mwanamke wa hivi. Je vais prier. Seigneur, je vais épouser seulement celle-là. Bwana, mimi napenda sio nikaburi ni wewe paka ule. Tu fais tout. On a fait biote. Peut-être tu viens on te dit non, il a encore 17 ans. On a fait qu'on a compris seulement ah, ngariki na miaka 17, chunga beli. On a anza tena kuomba. Quand tu viens encore quand il a 17 ans. On a fait tena anakuwa na miaka 18. Quelqu'un vient de doter. Hapo tu unasema mwingine analeta mahari jana. Ah! C'est que ce n'était pas ta femme. Ni kusema ana bibi yako. C'était seulement une convoitise. Oui, on croit natamani ya tout. Tu peux voir toutes les filles là, elles peuvent être belles, il faut demander, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est celle-là que tu as préparée pour nous? Anezo kwa tu ni mzuri na mwona se ni mzuri kwako vya kweli. Omba sasa Bwana mwambie sema njoo ule, ni mapenzi yako. Et non regarder, tu es dans l'église, tu regardes, tu es là. Aina wako mkanisa kunaangalia. Je vais me mettre là-bas. Mimi nitakana na ile ngambo ile. Quand les filles commencent à passer. Wakati tu mataanza kutoka. Mimi naanza kubangalia moyo moyo moyo. Tu passes dans un magasin, il faut chercher. Wao na wasema ni mtu gani anataka kutafuta? Aba tafuta kivile. Faut prier Dieu. Inapasha kuomba Mungu. Que Dieu te conduise. Mungu akuongoze. Si c'est celle-là. Kama njoye. C'est elle. Njoye. Tu vas l'épouser. Utamuoa paka. Même si les parents refusent, tu vas l'épouser. Hata kama bazazi banafanya mambo yote, wewe utamuoa paka. Parce que kwa sababu dans le plan de Dieu. Mumpangio ya Mungu. C'est celle-là ta femme. Ule njo bibi yako. Alors continue avec la lecture. Tuendelee sana kusoma. Je voulais un peu parler comme ça. Mimi nikapenda kusema hako hivi. Pour vous affirmer, nous passons par des épreuves. Dieu ya kumikamilisha kwa sababu hata tunapita kwa majaribu. Amen. Le suivez. Mufat. Frère Branham. Ndoku Branham sema hivi. Oh, j'ai sauté un peu. Na luka quoi? Parce que le temps file. Il faut que j'arrête avant. Kwa sababu wakati kwenda dans une autre occasion. Maintenant rentrons par paragraphe 50. Alors, Élisée descendait là. Élisée portant la robe. Nankanju, mais quand il est arrivé là, lakini, près de la rivière, wakati alifika pembeni ya mtoni, avez-vous remarqué qu'il a enlevé la robe? Munona sema, alitosha nko, alitosha le nkanju. La robe était bonne. Nkanju likuwa ya mzuri. Amen. Amen. Frère, Nduku, beaucoup de gens aujourd'hui essaient de descendre au Jourdain. Beko najaribu kufika ku Yordani. Habillé en robe d'occasion. Mwenye kuvale le nkanju ya nkom. Portant l'étiquette de méthodiste. Mwenye kuwa tu na kionekanio kia ni mtu méthodiste wala baptiste wala mtu wa kispringa. Je crois le message. Mina minia ujumbe. Peut-être avec la photo de l'ange. Sa zingine asho beba picha ya malaika asho kwa pa kilari. Je crois le message. Mina minia ujumbe. Mais il dit. Anasema apa hivi. Tout en étant rongé par des doutes. Mwenye kuya ndani mwako, mwenye kuliwa amo na shaka. Et troué partout. Na mwenye kwa na mantundu, tundu fashi yote.
N'essayez jamais de traverser les Jourdains avec cela. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que ta foi est rongée. Tout en disant que tu crois le message, tu as les doutes. Tu parles, je crois le coup. Mais ta vie n'est pas digne. Maisha yako haina yenye kustahili. Amen. 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 Alors dit mes frères, une fois qu'Élisée est arrivé là, pas tout Élisée ne fait pas l'effet cette robe. Donc on a katoche le nkanju ya Elia. Ce n'est pas une espèce de robe qui compte. Aina mambo ya nkanju ya lazima. Mais qu'a-t-il fait? Alifanya nini? Il savait que nous tous. Anajua sisi sote. L'observe. Parce qu'il y avait 50 fils des prophètes là-bas. Il ne pouvait pas se fier à la robe d'Élie. Mais il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Nous avons eu aussi la Pentecôte. Pentecôte. Mais où est le Dieu de la Pentecôte? Amen. Amen. Comme nous aujourd'hui, nous avons le message. Le léo, tu connais aujourd'hui. Frère Branham a prié. Tu comprends ma liomba. Il y a eu le nez rongé par le cancer. Pour le quoi campoua yenye kukuliwa na cancer. La mort, la mère Poussouma a été guérie. Oui, nyama Poussouma li pata oponyaji. Frère Florence Natingala a été guérie. Tata Florence li pata tena oponyaji. Sa femme même a été guérie de tumeur. Nata mke wake pia aliponyoka na kivimbo. C'est très bien. Yote bile ni vizuri. Mais où est le Dieu de Branham? Ça, ça, Mungu mwenyewe wa Branham uleko wapi? Parce que ce n'est pas lui qui a agi. Kwa sababu haikweli alikuwa anatenda. Haikweli Branham alikuwa anatenda. Suivez ce qu'il dit. Mufate kile anasema. Ce n'est pas lui. Haikweli yeye. Vous voulez dire que c'est lui? Mwenye pas kusema ni yeye. Mais non, lui même dit ce n'est pas lui. Anasema haishiko ki yeye hapana. Le signe. Ishara. Où est le Dieu de Branham? Mungu wa Branham iko wapi? Où est-il? Ekwapi. Suivez un peu. Mufate quoi? C'est ça le problème. Il faut que le Dieu d'Abraham soit mon Dieu. Njo mambo ile. Inapasha Mungu wa Abraham awe Mungu wangu. Amen. Amen. Frère Abraham dit. Ndugu Abraham asem. Dans celui qui est en vous. Mumahubiri mwenye kwa ndani mwako. Qui est en vous? Nani mwenye kwa ndani mwako? Dites vous-même qui est en vous. Sema wewe mwenyewe, mwenye kwa ndani mwako ni nani? Qui est en vous? Nani mwenye kwa ndani mwako? Qui est en vous? Ni nani mwenye kwa ndani mwako? Qui est en vous? Mwenye kwa ndani mwako ni nani? Qui est en vous? Nani mwenye kwa ndani mwako? Citez-le. Umutaye ni nani mwenye kwa ndani mwako? Qui est en vous? Mwenye kwa ndani mwako ni nani? Qui est en vous? Mwenye kwa ndani mwako wewe ni nani? Qui est en vous, frère Pibwa? Ndugu Pibwa, mwenye kwa ndani mwako ni nani? Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est Jésus qui est en vous. Ni Yesu ndio mwenye kwa ndani mwako. Ah. Comment frère? Ndugu yangu. Le pasteur dit que pasteur c'est Jésus. Mais oui. Ndio. C'est Jésus. Ni Yesu. Même si c'est une petite portion seulement. Ataka mane sehemu kidogo tu. C'est toujours Jésus. Ni paka Yesu tu. Regardez l'océan. Angalia maji mnene ya bahari. Si vous prenez une cuillerée. Tu m'as kama unabeba tu nani pao moya tu. Les composants chimiques de cette eau dans la cuillerée. Bintu benye kwa mwile maji yenye kwa mpao. Ce sont les mêmes composants chimiques. Ni paka bimoja bimoja benye kufuata na ile maji yenye kwa bahari. Et l'eau de l'océan. Na maji ya bahari. Jésus c'est l'océan. Yesu ndio bahari mkubwa. Mais Jésus à moi. Lakini Yesu ndani mwangu. Iko sa vile ile nko ile mpao. C'est toujours Jésus. Ni paka Yesu tu. Maintenant, c'est lui qui est en vous. Ça, ça, moyen quoi dans moi. Si c'est Jésus. Comment Yesu? Frère Branham dit ceci. Du coup, Branham s'est maïvi. Je vais lire deux endroits. Tassoum Mahalimbi. 187. C'est lui qui est en vous. Moyen quoi dans moi. Il dit c'est Christ. Ni Christ. Et si Christ est en vous. Non, comment Christ est en vous. Vous ferez les œuvres de Christ. Ou t'as fait matin dans Christ. Si c'est Christ qui est en vous, vous ferez les œuvres de Christ. Comme Christ est condamné, moi, quand on prend le matin de Christ. Il a dit dans Jean 14:12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si vous étiez en Christ, comme Christ, si Christ vivait en vous. Voilà, comme Christ qu'on a ici dans moi. Et Christ est la parole. Na Christ on a Amen. Amen. Et si vous
Si Christ vivait en vous, les œuvres de Christ se feraient à travers vous. La vie de Christ se vivrait à travers vous. Les œuvres qu'il a faites, la vie qu'il a vécue, et tout se vivrait en vous. Tout comme chaque spire, c'est qui? Ni nani? C'est qui chaque spire? Moi, ni nani? Hein? Ouais? Hein? C'est un écrivain. Par quoi très bien. Dio. Ah, les papas connaissent aussi. Il y a quand même un peu pour les papas. Mon pique mène, mais qu'on en a eu en aïe. C'est un grand écrivain. Al quoi, Mandishi? Vous voyez? Non. Il dit que comme il écrivait, il avait des inspirations pour écrire. Sa si son esprit est en toi, il va aussi écrire comme ça. Si l'esprit de David, le psalmiste, c'est lui qui a écrit les psaumes. Tu vas aussi composer les cantiques. Tu vas aussi donner les cantiques. C'est l'esprit de David. Kwa sababu ni roho ya Daudi ndio juu yako. Amen, amen, amen. 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 C'est ce qu'il dit ici. Dieu qui connaissait ma part. Alors il dit. Anasema hivi. Donc, si il est en vous, vous mènerez la vie qu'il a menée. Kama eko ndani mwako utaishi maisha yenyewe kuna tenda. Sikilizeni. 221. Ce que je cherche à faire. Kila natafuta kufanya. C'est frère Branham qui parle. Ni nduku Branham yuko anasema. Vous qui dormez, secouez-vous un peu. Moi, ben, j'ai marqué la mouchima, mais écho. Secouez-vous. Mouditiki, c'est. Tu vois? Que je te cite. Nekoutaï. Attention. Sopok. Suivez! Fat! Ce que je cherche à faire. Ce que je cherche à faire. Qu'il est en train de faire. Voici ce que j'ai toujours cherché à faire. Angalieni, qu'il est mis à ta faute. Ce que je cherche à faire. Voici ce que j'ai toujours cherché à faire, mon ami. Qu'on ne puisse jamais dire. Frère Branham a fait ceci. Frère Branham ne peut rien faire. Frère Branham a tout fait pour nous faire comprendre ça. Ndoku Branama alifanya mwake mote Dieu atufike mkuelewa hii. Kile mimi natafuta kufanya. Ce que j'ai toujours cherché. Na kile mimi natafuta kapaka kufanya. Qu'on ne puisse jamais. Shiko ata moya mtu ata moya asipime kusema. Qu'on ne puisse jamais. Mtu ata moya asisemaki. Frère Branama fait ceci. Ndoku Branama alifanya kia hivi. Frère Branama ne peut rien faire. Ndoku Branama chizo kufanya kitu. Unaona? Mais qui fait? Nani ko nafanya? C'est ni Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Et celui qui est en moi, c'est Jésus qui fait des choses en moi. Celui qui est en moi est en vous. Vous n'avez qu'à croire. Et celui qui est en vous est plus grand que votre maladie. Si c'est le cancer, comme un cancer, Jésus est plus grand que toi. Yes, on a signé un cancer. Si c'est la cécité, comme un Jésus est plus grand que toi. Yes, on a pitié pour amen. Amen. Jésus est plus grand. Yes, tu ne m'occupes pas. N'importe quel problème que tu as. Aïzuru mambo kanikona. Jésus est plus grand. Yes, tu as signé. Jésus est plus grand que tous mes problèmes. C'est ma. Yes, tu as signé mambo yangu yot. Jésus est plus grand que tous mes. Yes, tu ne m'occupes pas kabisa kushindia mambo nikona. C'est frère Bam qui l'a dit. Ni ndugu Bam nikona sema hapa. Il dit celui qui est en moi. Ah, c'est mon écho dans est aussi en vous. Écho dans les moyens. Hélène. Hélène. Qui est en toi? Mon écho dans les moyens. Christ. Christo. Jésus Christ. Jésus Christo. Et il est plus grand. Na écho mkubwa. Que tes problèmes. Kushindia mambo yuko nayo. Amen. 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 Suivez. Fate. Maintenant qu'est-ce qu'il nous dit? Anatuambia sasa nini? Pour compléter. Dieu a eu qu'on gaisa. Il dit ceci. Anasema hivi. Il dit c'est Jésus qui fait toutes ces choses. Anasema ni Yesu anafanya bibio. Dans le message le signe. Mujumbe ishara. Au paragraphe 418. Kipindi kya 418. Rien que ce que j'ai vu dans mon propre ministère. Tu
tout ce que je l'ai vu faire. C'est que je l'ai vu faire. Qui? C'est que je l'ai vu faire. C'est dans les signes du 1er septembre 63. Du 1er septembre 1963. Paragraphe 418. C'est que je l'ai vu faire. Il n'y aurait pas assez de place ici sur l'estrade pour empiler tous les volumes si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire. Rien que dans mon propre ministère. C'est que je l'ai vu faire. Voyez-vous, il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il n'en a eu dans le ciel. Maintenant, sas, n'oubliez pas, Moussi Saouli, que lui, yeye, a eu plus de succès. Alifaulu kabisa. Pas moi. Aina miye. Dites grandement amen. Sema amina kubwa. Lui. Yeye. A eu plus de succès. Alifaulu kabisa. Pas moi. Aina miye. Et frère Benham dit. C'est lui qui est en moi. Mwenye kwanda ni mwangu. Ce que j'essaie de vous dire. Kile ndiko najaribu kumionesha. Ce que vous nous disiez jamais. Mushipimake kusema. Frère Branham a fait. Nduku Branham alifanya kitu fulani. Frère Branham ne peut rien. Nduku Branham a jezi kufanya kitu hata kidogo. C'est qui faisait les choses? Ni nani alikuwa anafanya kabla bintu? C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. C'est lui qui est en moi. Mwenye kwanda ni mwangu. C'est Frère Branham qui nous dit. Ni ule wasema ni Nduku Branham. Mwenye kwanda ni mwangu. Eto aussi en moi. Eko tena ndani mwenu. Et s'il est en vous? Kama yuko ndani mwenu. Il doit opérer. Anapaswa kutenda. Amen. Amen. Lui a eu des succès. Yeah, il peut pas moi. Anami. Il a eu plus de succès. Il peut pas faire à Jeffersonville. Jeffersonville. Qui n'en a eu à Nazareth. Qui s'est Nazareth. Amen. 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 C'est vrai. Joville. Dans cette ville méchante là. Mouille intia ouvouille. Et dans cette ville méchante aussi. Namou intia ouvouille. Amen. Amen. Gloire. Utukufu. Parce qu'il ne pouvait faire aucun miracle dans ce lieu. Mais il a peut-être fallu qu'il aille chercher des gens. De l'extérieur. Il en a fait ici. Il ne pouvait. Bon, j'ai sauté. Minaluka. Quoi? Parce qu'il ne pouvait faire aucun miracle dans ce lieu. Là-bas, à Nazareth. Mais il en a fait ici. Lakini alifanya hapa. Il a fini par percer. Yeye amwisha alifika kupasula. Ici, il y est arrivé. Hapa alifika. Il a peut-être fallu qu'il aille chercher des gens de l'extérieur. Il est mupashwa, enda tafute bantu ba inje. Il y est arrivé de toute façon. Bali pasha kufika muna muna yoye. Ainsi, na kwa hivi, il a eu plus de succès ici. Ali paulu kabisa hapa. Qu'il n'en a eu à Capernaum. Kushindia ku Capernaum. Ou à Nazareth. Voilà ku Nazareti. Il a eu plus de miracles ici. Yeye alitenda miujiza mingi hapa. Même dans ce tabernacle. Ata mui maskani. Il en a fait dans tout son ministère. Kushindi ya mukaji yake yote wakati vrai. C'est ce qu'il a fait. Alors qu'en est-il du reste du monde? Ça est à quoi Dieu a battu du nia? Oh là là. Hey, maintenant c'est ce que lui a fait. Apanjo qu'il est yé alifa. Ne l'oubliez pas. Ta musi saulike. Il l'a fait. Alipanyaka. Maintenant je n'ai jamais dit que c'était moi. Na mishi asema kasema likuwa kani mi. Il avait fait. Mil fanya. Je n'ai jamais dit. Mi je n'ai jamais dit que c'était moi. Il avait fait. Voyez-vous? Parce que je ne l'ai pas fait. Je n'ai fait que l'aimer et me soumettre à lui et dire ce qu'il a dit. Et le Saint-Esprit
est allé trouver les autres personnes. Alors ils ont cru ce qu'il a dit. Et ensuite il a fait le travail. Si vous croyez sa parole, le même Jésus va faire le travail. Comme il est presque temps, j'arrête. Je vous demande de vous lever. Alléluia. Nous allons chanter. Tout à imba. Oh. Quelque chose qui nous donne. N'oubliez pas. Saulike. Pour tous les problèmes. Tu y a mambo yote. Même moi, votre pasteur. Atami pasteur. J'ai vu des miracles. Mina ona me dit ça. N'allons pas à nous ici, même ici. Aïna mbari paka apa, apa. J'ai vu le cancer être guéri. Mimi non a malade à cancer pour pognon. Les trompes être créées. Mimi non a trompe na umbwa. La folie être guérie. Mimi non a magie mou mouton a panne pour pognon. Ici. Apa tout, apa, apa. Ceux qui étaient déclarés qu'ils ne pouvaient pas voir les enfants. Koi Océan, il a des enfants. Pas les béniers, mais pas les béniers, c'est mon mouton à la bateau. Tola qui n'y voyait aussi, la bateau, toi pas. Mais ce n'est pas moi. La qui n'est ennemi. C'est Jésus. Il y a ça. Si c'est Jésus, là, est ici. Il est aussi ton Dieu. Il peut le faire aussi. Il faut seulement l'aimer. Il faut croire en lui. Il va faire la même chose. Parce qu'il est le même. Et puis nous allons prier pour tous les cas difficiles. Et aussi n'oubliez pas la grande requête avec tous les pousses de l'État du Congo. Dans 2 minutes, il sera 12h juste. Nous allons prier. Tout à omba. Aussi pour notre pays. Tout à omba, pour la paix. Tout à omba, Dieu, salama. Et Dieu délivre notre pays. Nous voyons que ce sont des démons qui troublent tout le monde. Mais parce que nous sommes les pousses de Jésus. Mais ça va bien sur Jésus-Christ. Jésus est très vivant. Jésus est courage. Jésus veut nous entendre crier. Il faut qu'il sorte de l'histoire. Comme il appelle cette position moi d'ici. Appelons-le sur la scène. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi l'Éternel qui es Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que le Dieu de l'épouse est tout de l'épouse. Le Seigneur Jésus-Christ est le prince de la paix. Ce qui est difficile dans ce pays, que Dieu le rende possible. Et tous les cas difficiles que vous avez, profitez-en, appelez Jésus sur la scène maintenant. Pangila Yesue Julule Bulo Bambi Ulu.
Vous avez des besoins, levez votre main. Je vois les besoins, Dieu doit les requêter. Une main sur le cœur, une autre main levée. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est toi le créateur des cieux et de la terre, le grand dispensateur de tous les dons excellents, le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est toi notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, tu es le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres. Tu es le Dieu de William Marion Branham. Tu es notre Dieu. Tu es mon Dieu. C'est toi qui étais en Branham, le messager du temps de la fin. Tu as retiré ton serviteur. Et comme tu l'as toujours fait, tu ne retires jamais ton esprit. Nous avons besoin du même Saint-Esprit, de l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, en double portion. Où es-tu, toi, l'Éternel, le Dieu d'Élie, le Dieu de Branham? Je crois que tu es ici. Tu es vivant. Tu existes. Tu es plus grand et plus fort que tous nos problèmes. Tu es plus grand et plus fort que nous, tous les problèmes que nous avons dans nos cœurs. Derrière chaque main levée, il y a des besoins, il y a des requêtes. Tu es le grand Jéhovah Jireh. Daigne pourvoir à tous les besoins de tes enfants. Tu avais promis de pourvoir à tous nos besoins.
tout au long de ce voyage terrestre. Tu avais dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ce matin, nous croyons que nous ne sommes pas orphelins. Nous avons un Père tout puissant, un Père riche en miséricorde. Alléluia. Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à toutes les montagnes d'épreuves devant nous, à toutes les montagnes de difficultés, au nom puissant de Jésus-Christ, je vous ordonne de quitter et d'aller dans les lieux arides. Que les fils et les filles de Dieu soient libérés, soient affranchis, soient délivrés, soient guéris, soient bénis, soient élevés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, à cet instant même, toute l'épouse du Congo a se mis levée comme nous le sommes. Ce pays est notre pays. Nous n'avons pas un autre pays. Partout où nous allons nous promener, nous allons en vacances, mais nous revenons dans ce pays. C'est ce pays que tu nous as donné, Seigneur. Vois, Seigneur Jésus, combien ce peuple souffre. Combien il y a de tueries. Il n'y a plus de paix. Nous n'avons même plus nous réunir, prier toute la nuit à cause de l'insécurité. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aussi vrai que tu es Dieu, aussi vrai que tu nous as donné ce pays, aussi vrai que tu ne changes pas, nous intercédons en faveur de notre pays, comme notre père Abraham avait intercédé. Tu es le même, tu lui avais dit, s'il y avait seulement quelques justes, j'épargnerais la ville. Lui, il était en dehors de Sodome et de Gomorre. Mais nous sommes au Congo. Mais dans ce pays, tu ne manques pas de témoins dans ce pays. Tu ne manques pas de témoins. Tu as tes enfants. Tu as ton épouse ici, Seigneur. À cause de l'épouse de Jésus-Christ, je déclare la délivrance du Congo. Alléluia. Je t'engage, je t'appelle sur la scène de l'action pour que toi, le prince de la paix, puisses nous accorder la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir vient de toi, Seigneur. Nous voulons que ta volonté soit faite. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis notre pays. Que les choses changent. Ce que nous réclamons ardemment, ce que nous désirons ardemment, ce sont ces grandes pluies de bénédictions. Des bénédictions spirituelles, des bénédictions matérielles, des bénédictions physiques, des bénédictions financières. Puisse ces pluies tomber abondamment. Au lys tabernacle, partout se trouve l'épouse de Jésus-Christ. Et même dans notre pays. Que ceux qui étaient malades repartent totalement délivrés, guéris. Ceux qui étaient gardés captifs par des démons, par des sorciers, je déclare leur délivrance totale. Avec la vérité de ta parole, ils sont affranchis, ils sont libérés. C'est notre indépendance, c'est le jubilé, c'est le jubilé, c'est le jubilé au nom de Jésus, c'est le jubilé au nom de Jésus, le jubilé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.
Amen. Amen. Acclamons fortement pour le Seigneur de Christ. Tout chacun de Dieu, Christ. Amen. Seigneur Jésus, aide-moi, aide mes frères et mes sœurs à ne jamais faire de compromis avec ta parole. Seigneur Jésus, pardonne nos insuffisances, que nous soyons ramenés à notre héritage. Nous voulons être des croyants vertueux, obéissant, des croyants pleins de foi. Et je crois que tu as exaucé cette prière, car nous l'avons demandé dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.